Abel commence. Mais moi, c'est pas Abel. Moi, c'est Jack by 9. What the fuck? Le mec qui vient sur mon live, il me dit: salut Abel, commence s'il te plaît la partie. Ah, attendez, je crois qu'on a freeze. Ok, j'ai cru qu'on avait freeze genre directement. Ok, donc voilà, donc on se retrouve sur une map de You Always Win basée sur Star Wars, la forêt de Andorre tout simplement. Donc on est en live comme d'habitude, toutes les vidéos de façon où je suis en solo, on est forcément en live, bien évidemment, car sinon, ça n'a pas trop d'intérêt quoi. Ok, donc déjà, il faut tirer sur des R2-D2. Combien la porte? 750, on va cache ouvrir. Parce que j'ai vu dans la description de la map qu'il y a des trucs à charger. Donc, connaissant You Always Win, plus t'avances, plus ils sont longs. Déjà, la map elle est stylée. Ça fait. Ah, bon, c'est les arbres de Redwood, mais la map est stylée quand même en général. Alors, donc comme d'habitude, sur toutes les maps de You Always Win, vous avez un ending, etc. Donc, c'est plutôt sympa ça. Ça va être pratique. Oh, j'ai cru que j'allais avoir le lance-roquette en première arme. Ça vraiment, ça peut te niquer une game, hein, clairement. Donc voilà, donc le sujet de cette vidéo-là va être basé, parce que comme chacun des lives, normalement, je vous demande des questions, etc. Je vous pose des questions, je vous dis, voilà, je vous dis, posez-moi des questions, etc. Mais là, j'ai un peu réfléchi à un sujet et tout, parce qu'en cours, vu que je branle rien, faut bien que je fasse quelque chose. Donc je réfléchis à mes sujets de vidéo, etc. Et tout simplement, est-ce que... Alors déjà, vers où vous habitez, voilà, quelle est votre, tout simplement, votre région, d'où venez-vous? Oui, vous, derrière votre petit écran, donc que ce soit sur le live à l'heure actuelle, et même en commentaire, dites-le moi. Ça m'intéresse de voir à peu près d'où vous venez, à peu près toute la communauté, etc. Si vraiment vous êtes beaucoup du sud, ou etc. Pour voir quelle région est la plus dominante dans ma communauté. C'est quelque chose qui m'intéresserait de savoir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire. On va voir là les gens du chat. Ah bah déjà, alors ça commence déjà, Marseille et tout. Alors ouais, j'ai vu sur Snapchat, j'ai majoritairement des gens qui viennent du sud, mais côté Marseille, Nice, etc. C'est assez original, ça. Vraiment, j'ai vraiment énormément de gens qui viennent du sud, du sud-est. Suisse, Reims, Lille, Bretagne, Île-de-France. Ah ouais, bah Île-de-France en même temps. 59 dans le nord, Lyon, on a quoi? Belgique, on a la Belgique aussi, le Québec, putain, le Québec, je rêve d'y aller honnêtement. De toute façon, je rêve d'aller en Amérique, tout simplement, en Amérique du Nord, tout simplement, que ce soit Québec ou États-Unis. Vraiment, je pense que, clairement, île de la Réunion, ah ouais, avec le décalage horaire et tout, oh là là, chaud. Après, c'est stylé quoi, clairement. Je me suis toujours demandé, est-ce que, je sais que les saisons sont décalées à l'île de la Réunion, mais est-ce que t'as l'hiver ou genre ton hiver c'est genre de l'hiver à 24 degrés quoi? Parce que, en gros c'est pas l'hiver quoi, mais est-ce que t'as une petite baisse de température? Donc il y a le power avec, bon je pense qu'il est là-dedans le power, on va pas trop parlementer là-dessus hein. Il n'y a pas d'autres choix spécifiques. Alors, où c'est que ça... Ouh, il y a une cascade et tout. Stylé. Ok. C'est hyper drôle, tu sais, ça, de comment ça s'appelle? D'écrire message deleted et tout. Ça, c'est vraiment genre une blague, mais waouh! C'est une bonne boutade, hein. Clairement, oh. Yo! Yo, donc on se retrouve sur une map de type Star Wars, voilà. Donc ah là, il y a un tout premier easter egg juste ici, voilà, patati patata. Nique bien ta mère, le jeu. Hop. Lèche mes boules. Parfait, au moins ils ont compris. Ils ont compris la référence, c'est gay drôle. Ça c'est drôle. Bref, je vais démarrer le chat de mon téléphone car il est full cancérigène, voilà. Hein, Oh, c'est à gauche ou à droite le pack-a-punch? Vaut mieux que tu vas à gauche ou à droite? Dites-moi. Gauche ou droite? Gauche ou droite pour ceux qui savent pas. My mastodonte. Ouais, bonjour à tous. My ta mère. Toi, tu vas te prendre un my permaban.
C'est quoi cette... Droite, 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 droite. Y a des bâtards. Y a des gens qui disent gauche. Attends, est-ce que... Gauche, droite, gauche. Eh, sérieusement, je suis sûr qu'à droite, tous ceux qui ont dit droite, c'est à gauche, en vrai. Parce que le fait qu'il y ait eu plus de droite, je suis quasi sûr que ça veut dire que c'est à gauche. Mais bon, moi je suis un mec honnête, genre mes abonnés ils me disent un truc, j'exécute. Ok, on a un autre là, un endroit de merde. On a ouvert une porte de merde. Mais je sens que c'est de la merde. Les gars, finalement, ouais, bah, je vous avais dit, c'était à droite-droite. Voilà, tous ceux qui m'ont dit droite, c'était pas là. Mais en tout cas, c'était droite-droite. Bon, merci à vous quand même de m'avoir aidé, hein. Mais j'ai trouvé tout seul le résultat. Voilà. Mais c'était droite-droite, hein, les mecs, hein. Vraiment, tous ceux qui m'ont dit droite, vous êtes pas cool avec moi, hein, quoi. Clairement, that's not fair with me. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ici, nous avons double coup. Alors. Hop. Tac. Allez, petit R2D2. Hello, my little friend. Ok. Oh, it's very nice. Attends, déjà, oui, courir vite. Ok. Clairement, cet endroit-là, c'est un peu genre... The best endroit quoi. Ah ouais, mais c'est magnifique. C'est super. On est très heureux. Il reste deux zombies, waouh. Amazing. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai voulu le 1v1. Ouais, j'ai remplacé le haymaker, j'avais pas d'autre choix les amis. On va prendre ça, hein, les amis, ça fait l'affaire. Hop. Ok, parfait. Ah ouais, non, par contre. Bon, la dernière fois que je l'ai pris, ça m'a fait courir tellement lentement. Comment ça s'appelle? Ça m'a fait crever. Donc c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf comme call. Ok, parfait. On va tourner maintenant surtout. C'est assez chaud quand même. Voilà, faut que je les amène de ce côté-là. Faire reculer encore. Hop. Oh putain, le spawn derrière moi qui a failli me bloquer. Ok, on va y aller comme ça. Comme ça. Que ça en fait un bon petit paquet. Hop, là maintenant on rush. Ah, le fils de pute, il cut. Ah, ah. Hop. Ouf, ça va, c'est passé. Ok, ça a dû en tuer un forcément derrière, je pense. 13 zombies, ouais, on peut le charger en 13. Ça va passer. Ça va passer. Elle est puissante quand même, la Plague, hein, j'ai l'impression. Elle fait de bons dégâts. Ils sont arrivés. Ils m'ont surpris. Directement rush. Me faire keblo. J'ai failli me faire keblo. Alors, qui connaît une technique pour ne pas lag sur Black Ops 3? Ouvrir tes ports, des fois ça peut marcher. Tu cherches sur internet comment ouvrir ses ports pour Black Ops 3 et ta console. Et ton opérateur aussi. Tu penses que YouTube à 14. Putain. YouTube à 14 ans, je peux devenir comme. À 14. Je sais. Si tu dis à 14 ans, oui, normalement. Oui, tu pourrais. En fait, dans l'absolu, tu pourrais. Mais c'est juste que. Je sais pas. Faut. T'en battre les couilles des critiques, quoi. Faut
faut juste t'en battre les couilles des critiques. Ok, parfait. Par contre, ça a pas l'air d'être fini, quoi. Ouais, je suis où le dernier? Where is the last one? Il est où le dernier? Ah, ça a ouvert? Ah, ça a ouvert! Nice! Par contre, ça met pas de message. Ah ouais, par contre, ce couloir-là... Ah ouais, faut faire gaffe. Genre, en gros, faut pas y aller à la fin. Genre, ils peuvent arriver de par tous les côtés, j'ai l'impression, les zombies. J'ai pas l'impression qu'il y ait de R2-D2, hein. De plus. De plus. Et combien d'ending? 50 000, oh là là. C'est long. Dans tous les cas, ça donne une arme de merde. Ouais, de toute façon, c'était histoire de faire un petit live. Hop. Donc R2-D2, je sais pas où il est. Je fais pas de vidéo, par contre, ouais, il m'arrive de faire des lives sur... Enfin, à un moment, je faisais des lives sur League of Legends. Je sais pas, j'ai arrêté. J'arrivais pas à me focus sur la game en même temps sur le live. Ok, c'est The Giant pour le camo. Not amazing. Tac. Allez, on va passer. Et ouais, là par contre, sur la map, j'ai pas trop envie de glitcher parce que la map est assez grande pour tourner, etc. Donc c'est sûr que les petites maps, c'est... Putain, j'ai cru qu'il y avait un joueur. C'est sûr que sur les petites maps, c'est intéressant de glitcher. Mais là, la map est tellement facile à tourner tout facile et grande que j'adore tourner. Donc en gros, je préfère tourner. Genre, comme ça, en plus, ça met un peu plus de challenge. Voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi je cherche pas de glitch. C'est parce que, tout simplement, la map là est vraiment super, super sympa pour tourner. Et j'adore, en fait, depuis Survie sur Ville, moi, des fois, je tapais Survie sur Ville juste pour m'amuser à tourner, quoi, et m'entraîner, taper des esquives, etc. Il vient me faire tellement peur! Incroyable! Il m'a fait paniquer, j'ai sursauté. Non, je le connais pas IRL, par contre, j'ai déjà vu. Pour avoir 50k, prendre une arme au mur, tourne avec... ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. Mais c'est 4500 dès que tu veux racheter des munitions avec l'arme. Donc je pense juste tourner avec l'arme et racheter des munitions à chaque fois. Je pense que cela est un petit peu mieux. Un petit peu better. Ça me permet d'arriver au tyrannoscope sans trop de complexe. Ça va. Le Discord que j'ai. Enfin, du moins, le Discord dont je parlais avec ma iPhoneise, c'est un Discord totalement privé, lui. On le passe à des amis d'amis, amis. Enfin, gros, je passe à mes amis, ou amis d'amis, etc. Mais ça reste dans ce contexte, enfin, de ce groupe, en gros. En gros, mettons, iPhoneise le passe à ses potes, etc., qui peuvent inviter des potes à eux. Mais moi, je vais pas le donner publiquement. Je ferai un Discord un jour, abonné, etc. pour... abonné. Non, je pensais aux abonnés de PNL. Voilà. Genre, je ferai un Discord abonné, etc. Mais pas avant. Je n'en vois point l'utilité d'en faire un avant. R2-D2, cascade, arbre à gauche. Donc, dans la cascade à gauche de l'arbre. J'ai compris que ça. Donc, en gros, dans la cascade à gauche de l'arbre. Enfin... dans la cascade à gauche de l'arbre ou dans l'arbre? Non, je pense que c'est dans l'arbre à gauche de la cascade. Sur la branche. Ok, ça marche. On va aller checker ça. Ah, un petit mort instant. Parfait. Petite munition. Hop là. Je vais vider ça. Hop, alors. Ça, c'est la droite. Donc, on va check tous les arbres. Pour essayer quand même de la voir. Ah! Là! Oui! You solve the easter eggs! Au spawn. Ouais, bah, apparemment, tout le monde me dit que c'est... Ah, ouais. Alors, quelle arme on a eu? Attendez, j'ai pas l'impression que... Une manne à foire! L'arme était pas dégueu, hein? L'arme était pas dégueu. On a l'impression qu'il a un lance-patate, regardez ça. Vous avez vu? On a l'impression qu'il a un lance-patate, j'ai l'impression. Bref.
Ce n'est que mon humble impression, après tout. Bon, bah voilà, bah on va aller terminer cette game. Voilà, donc on va aller terminer la game. Hop, Maître Yoda. Give me your power. 21. On a réussi à finir la map en solo. Et ouais, on est trop fort.